Bonsoir Québec. Test 1, 2, bonsoir les amis. Nous sommes au weekly numéro 298 de l'Université Laval, yes. Featuring nos beaux amis Big Fish, ouais. Qu'importe, des anciens visages et des nouveaux visages. Alors on commence notre soirée avec Big Fish contre Kador. Donc Big Fish, tried and tested, ancien TO, meilleur Luigi Main de la province, peut-être? J'aurais tendance à dire oui, mais je sais pas si Trevor ou... je pense pas que Trevor est de Québec. Ah, c'est possible. Alors Big Fish qui installe tranquillement pas vite sa dominance, déjà là un percent lead, mais techniquement les deux personnages sont à quel percent en ce moment? Un Luigi qui se wave shine off stage à 91%, ouais. C'est assez désastreux. Oh, oh, c'est parti! Oh. Le punish game de Big Fish sort. Oh, oh oui! Oh. Big Fish qui abuse d'une pression sur shield qui est très tricky à deal avec. Ça repêche. Oh, il est bien. Oh, oh. Fait une bonne job là-dessus. Ah, oh, non, il a manqué. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh! Kador qui est juste un petit peu shaky sur son tech. Mais s'il se laisse le temps de... Oh non, il a pas couvert Misfire! On l'oublie tout! Reverse back air. Et voilà, let's guard. Bien joué, Kador. Yup. Sur Kador qui est juste... On va voir par le fameux down B sur la plateforme d'ange. Oh! Ouh! Non! Ouais, c'est vraiment juste... Kador a juste vraiment besoin de ralentir un peu et de laisser son tech warm up into the set. Ouais. Parce que tu sais, des fois, même si tu joues des friendlies et tu fais des warm up, ça arrive que tu vas avoir des moments de tech flop, t'as des moments où est-ce que tes mains filent un peu plus cold, genre. Ouais, puis à ce moment-là, tu as plus de tendance à avoir plus gros délai dans tes inputs, dans tes temps de réaction, avec le stress. Ouais, puis à ce moment-là, c'est là que c'est important en tant que Fox player de comprendre que tu joues un top tier, tu joues un personnage qui est très rapide, t'as le droit de dicter la pace du match-up pour ralentir, puis de laisser le temps à ton corps de revenir dans le momentum. Ben, le momentum, si qu'il y a de cloche cette game-là, il va être très bien positionné. Oui. Mais sinon, tu te concentres à savoir, tu récupères le plus d'informations possible pour les prochaines games. Ouais, il faut vraiment. C'est une autre bonne occasion de ralentir ton play un peu pour regarder plus ton adversaire que ton propre personnage. Justement pour guider ces analyses-là. Et bien souvent, la game 1, c'est le temps de prendre l'info. Yep. Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de très consistently perdre game 1 puis gagner le set après. Ouais. Beaucoup, beaucoup. C'est surtout populaire, ouais, comme playstyle, j'ai envie de dire. C'est surtout populaire dans les joueurs, dans les season tournament players, des gens qui font des tournois depuis longtemps. C'est souvent des gens qui ont un temps d'adaptation qui va plus loin que la première game, mais qui est extrêmement stable. Mais je trouve que c'est ma... La tendance est différente quand c'est un best of 3 puis un best of 5. Oui, c'est vraiment. Savoir comment tu vas t'adapter puis comment rapidement tu vas le faire. Ouais, mettons, je sais que récemment tu as fait tes best of first to 10 à Street. Ouais. Puis ça aussi, c'est un autre game à part parce que tu te dis, ok, c'est bon, je vais montrer c'est quoi que je veux faire, mais il faut aussi que tu montres tes autres tricks après ça. Ouais. Puis dans un best of 5, je pense qu'il y a aussi ces tricks-là qui arrivent, mais c'est comme. Les situations de niche que tu peux créer sont plus importantes, je pense que tu veux dire, dans un best of five. Ouais. Parce que
si t'en as un nombre limité que t'es capable de créer par tes connaissances, plus que t'es capable d'en appliquer en densité dans le set, plus que t'es capable d'aller chercher des petits avantages qui vont faire une différence. Ouais. Tandis que dans un First to Ten, non seulement t'as plus de play standard qui se passe, mais ça se peut que tu utilises le trick une fois, puis la deuxième fois déjà le joueur est prêt. Yep. C'est quand même fou à quel point, au fur et à mesure que tu gagnes de l'expérience en tournoi, beaucoup de choses que tu pratiques de façon mentale active dans un set, des pensées immédiates que tu as, des choses qui te demandent de la réflexion, plus que tu deviens habitué de jouer dans les tournois puis de jouer au jeu, plus que ça devient une nature seconde qui libère de l'espace mental pour ce que tu as besoin de faire dans la game. Oui. Fait que c'est des conseils importants pour vous à la maison. Si vous voulez devenir bon et constant, le truc le plus important à faire, c'est jouer plus. Jouer plus, pratiquer plus, le temps de qualité, c'est ce qui compte. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont jouer des centaines et des milliers d'heures. Tu pourrais trop jouer, puis ça améliore pas ton jeu. Exact. Puis c'est aussi des gens qui passent pas du temps de qualité avec le jeu, dans le sens qu'ils vont jouer, puis ils se poseront jamais de questions, ils vont jamais faire la pratique, ils vont jamais observer ce qui se passe dans le jeu, ils vont juste jouer pour jouer. Ouais. C'est ça que je veux dire par du temps de qualité. C'est pas du temps de qualité si tu fais juste jouer avec un cerveau fermé tout le temps. Maintenant, on va voir si Kador est capable de passer du temps de qualité dans le set pour rattraper son retard sur Vic. Il est capable, c'est juste. Mais attends! C'est des petites erreurs. Je suis impressionné. On n'a pas fait la mention quand la game a commencé, mais Kador a perdu puis a counterpick Dreamland. C'est spécial. J'imagine qu'il aime avoir l'espace, mais j'assumerais. Honnêtement, c'est un neutral. À mon avis, c'est un neutral stage. Tu penses? Parce que l'espace bénéficie beaucoup de Fox au niveau de la gestion de l'espace horizontal contre Luigi? Ben... Parce que la top platform est haute aussi, peut-être? Fox a de l'espace à jouer. Mm-hmm. Tu penses que les meilleurs stages pour Fox dans ce match-up-là, c'est probablement, j'imagine, Yoshi's puis Pokémon Stadium en premier, right? Yoshi's, Battlefield... Stadium, c'est fini, là. C'est proche d'un neutral stage. Mais si tu joues avec Transo, c'est bon pour Fox. Ah, ouais. Ça, 100%. Mais avec, sans Transo, on a un débat. Sans Transo, on a un débat, c'est bon. Parce que j'assumerais que Pokémon, c'est bon pour Fox dans ce match-up-là, parce que t'as... Si t'es capable d'avoir une ouverture qui tue à genre 60%, oui. Mm-hmm. Sinon, les picks que Luigi aime, tu me dis, c'est absolument FD. Puis ouais, oui. Des fois, Fontaine? Fontaine fonctionne, je pense. Mais I guess que déjà là que t'es lourd, en plus, tu prends plus de temps à mourir du haut, c'est le fun. Puis d'un autre côté, si tu joues contre un bon Fox, peu importe l'espace horizontal que t'as pour ton recovery, il devrait avoir moyen de t'edgeguard dans toutes les situations, right? C'est ça. Donc au final, on s'en mais fout un peu. Point. Mais tu peux avoir plus de lousse sur Dreamland si tu recover genre vraiment haut, mais bien souvent, c'est pas tant dans l'avantage. Mm-hmm. Mais vois-tu, ça débloque une nuance importante dans le match-up aussi, parce que dépendamment à quel niveau de jeu tu joues, si tu remarques, en tant que Luigi player, que le Fox en face de toi a de la misère à punish les edgeguards, là tu peux préférer des stages qui sont pas mal plus larges pour te laisser plus de place de recovery. Ouais. T'as plus de chances de garder ta stock. Mais si tu joues contre un Fox qui est extrêmement puissant dans ses edgeguards, là, tu peux décider de jouer des stages qui sont plus serrés sur les côtés puisque ça fera pas une différence, right? Alors, on retourne sur Dreamland. Kador confiant dans son pick. Big Fish confiant dans le résultat du set jusqu'à date. Oh, cette dance match-là avait pas l'air safe. Non, mais Kador, t'es pas prêt à répondre. C'est pas facile à répondre. Surtout de dos comme ça, là, faut que tu wave shine out of shield, faut que tu short up drill en driftant back en espérant que Luigi va pas SDI out. Parce que si tu fais un strong rising back air, j'assume Luigi peut juste le crouch cancel et t'exploser. Mm-hmm. Fait que ces deux options, c'était drill, wave shine out of shield. Probablement que la seule vraie réponse, c'est wave shine out of shield qui donne le moins de réponses possible à Luigi en termes de défense. Là. Ben, il aurait pu me faire un drill out of shield. Mm-hmm. Mais ça, drift back, drill out of shield. Puis à ce moment-là, Luigi, faut qu'il desperately essaye de SDI out la drill. Ouais. Oh non! Sinon, tu peux faire... Peut-être, si t'es assez vite, tu peux faire un launcher.
Je sais pas si tu pourrais wave shot. Tu fais sûrement pas wave dash out of shield up tilt, right? Je pense pas que t'as le temps. Mais tu pourrais short up falling up air. Oui! Pis ça, c'est juste deux. Je me demande à partir de quel pourcent Luigi peut plus ASDI down le second hit up air. Plus tôt que tu le vois. Oh, parce que c'est quand même une strong hitbox, là, right? Il me semble que ça knock down à low percent. Dans le sens ça, que. Ça prend plus de temps. Ah, bien joué! Ah, oh, il ramène sa égalité, Kador qui nous montre de quoi il est fait. Son pick sur Dreamland pourrait être justifié dans les prochaines minutes. Et je trouve ça drôle, c'est tout le temps. J'aime les gens qui piquent des choses comme ça, qui se filent un peu non conventionnelles. Parce que c'est comme s'ils faisaient un statement qui disait je pense que c'est ça qui fonctionne, puis maintenant faut que je le prouve. Un peu comme s'ils faisaient un move aux échecs qui n'avait pas été vu avant. Pas tout le temps. Des fois, des fois, c'est qu'on te pique FD contre Mart, là. Puis qu'après ça, il dit en commentaire, après le set, pourquoi j'ai fait ça? Qui a gagné ou non? C'est sûr que des fois, c'est un. J'ai pas envie de dire que c'est un éclair de génie. I guess c'est une épiphanie d'une façon. Et t'es comme, ah, oh, FD contre Mart, je pense qu'il y a un potentiel dans ce match spécifique-là. Puis après ça, tu fais exploser 4 stock, t'es comme, pourquoi? À quoi j'ai pensé? Ouais. C'est un pari que si tu gagnes sur stage d'une façon convaincante, que là, t'as beaucoup plus de momentum. Ah oui, ça joue dans la tête de l'autre. Ouais. Puis, ça, c'est la moitié du temps. Puis l'autre moitié du temps, tu te ramasses S-Fat on stream avec une réaction de Mewtwo King très confuse, un petit. Ouais. Kador qui doit se sortir de ce punish game-là le plus rapidement possible. Il a même pas encore trouvé la sortie. No double jump. Stall avec le shine. Le low up B, ce sera pas assez. Ce sera jamais assez contre Big Fish. Et Big Fish qui l'emporte trop.